À la une de l'actualité, la colère des salariés de la galerie Printemps à Lille. Ils ont manifesté aujourd'hui devant l'entrée située rue Nationale. Au cœur de leur mouvement, les négociations annuelles sur leur salaire. La plupart d'entre eux touchent le SMIC et la hausse proposée de 9 euros, une augmentation jugée trop faible selon eux par rapport aux profits que génère la galerie. À l'occasion aussi de dénoncer certaines conditions de travail qui ne sont pas, selon eux, normales. Plus de précisions au micro de Charlotte Notgame. On vous oblige à venir travailler en noir. Ça se fait sous les deniers du personnel qui doit s'acheter eux-mêmes leur tenue. Ils nous proposent simplement d'acheter des tenues dans le magasin avec 30% de remise. Imaginez pour des gens qui sont payés au SMIG, vu qu'on ne vend que du luxe dans le magasin, ce que c'est de pouvoir payer les 70% qui restent. Tout ça pour être au service de la clientèle, porter le luxe et vendre du luxe.